Oui. Oui. Oui, bonjour. Oui. Oui, bonjour. Bonjour, Benjamin. Pierre, c'est plus que bonjour, c'est bonne semaine à ce niveau-là. Ça va nous donner une adrénaline, ce qui va se passer. On est là, notamment ce soir, pour être un petit peu le jury, même si on n'aura pas notre mot à donner sur la notation, parce que c'est le jeu qui va le faire, mais... Mais des mauvaises notes, il y en aura. Qu'est-ce qui va se passer? Il reste 10 joueurs. Chaque joueur va venir individuellement à ce micro, interpréter une chanson qui sera dans ce jeu, que vous allez voir sur cette caméra, et ils vont devoir la chanter en karaoké le plus juste possible. À la fin de la chanson, le jeu qui s'appelle Let's Sing, il va donner un score, mais bon, le score, comme tu as des chansons qui ont des durées différentes, si tu as une chanson qui dure 4 minutes, tu vas avoir un plus gros score qu'une chanson de 2 minutes parce que tu auras eu plus de... Ok. On va juste évaluer le pourcentage. À la fin, on éliminera celui qui aura le moins bon pourcentage de notre juste sur son morceau. Le moins bon chanteur. On va tirer au sort la première personne qui a passé. Et on peut le dire que autant vous allez être étonné par certaines personnes qui vont venir chanter, et il y en a d'autres, c'est des crises d'abdos qu'on va avoir. Qu'on soit clair, chaque joueur qui va arriver, elle va prendre le morceau qu'il veut, mais une fois qu'il a été pris, on peut plus le réentendre dans cette vidéo. Et quoi d'autre? Ça va être incroyable. Nous, on n'entendra pas la musique, nous. Ça va être du cappella? Eux vont entendre la musique, mais nous, pour des questions de droit sur YouTube, sur le best-of, on ne veut pas qu'il y ait des extraits. C'est-à-dire que nous, on va entendre juste la voix suave du joueur. En même temps, c'est là où tu vois vraiment le chanteur. Alors, les joueurs d'aujourd'hui sont Fanny, a très très envie de rester qualifiée jusqu'au test d'anglais royal. Agathe, très fan de Angèle, il y a deux titres d'Angèle dans le jeu. Geoffrey, qui pour l'instant ne s'est jamais mis en danger, toujours là, toujours présent. Très gros compétiteur. Ensuite, Fred, s'il n'y a pas Katy Perry, ça va être compliqué pour lui. De toute façon, s'il y a de la musique, ça va être compliqué pour lui. Guillaume, alors on sait que Guillaume, c'est un mélomane maintenant. L'artiste musical le plus récent qu'il a écouté, c'est Beethoven. Quentin, le rappeur. Alors, Lucas. Ah, Lucas. Lucas, ça peut être... épique. Ça peut être du bonheur, mais ça peut être, en fait, cette séquence, je peux me la remater dans 60 ans et rire. Bien sûr. Ninoule, elle peut surprendre. J'ai jamais entendu chanter Ninoule. Non, elle peut surprendre parce qu'elle sera plus petite que Mika. Ah oui, d'accord, ok, très bien. C'est ce qu'on appelle une voix de tête, du coup. Ouais. Ah bah, oh là là. Ah bah, je me permets. J'ai presque envie de te faire un bisou. Wow. Alex. Orelsan fan. Tu sens qu'il a pas un gros corps. S'il a une voix, où j'ai l'impression qu'il est essoufflé. Et Camille, qui sera remplacée ce soir parce qu'elle n'est pas là. Ouais. Mais Camille, qui a de la chance, elle sera remplacée par Morgane. La Morgane qui chante très très bien. Mais bon, Camille chante très bien aussi, donc il n'y aurait pas eu trop de danger. Alors attention, c'est parti, je te laisse tirer au sort qui va chanter en premier. The first one to sing is... Ninoule. 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 Oh, Ninoule. Ferme la porte, je t'en prie. Ah, mais je passe en première et tout. Bah oui, tu passes en première. Ninoule, les gens t'attendent. Vas-y, Ninoule. Bonjour, Ninoule. Coucou. Tu vas nous chanter quoi de beau, Ninoule? Alors, moi, je vais chanter parce que comme j'ai le choix, du coup. I can't dance. C'est fait mal? Can't move. Alors, Ninoule, est-ce que tes parents sont dans la salle? Référence à Jacques Martin. Mais oui. Bah, vous avez l'âge de mes parents, mais... C'est vrai. Qu'est-ce que tu viens de nous chanter? Moi, j'aimerais chanter une qui est assez difficile. Enfin, il y a 4 étoiles. C'est So Am I. Qui a fait la chanson? I'm on baby, sweet psycho. Donc, tu mets le casque. Toi, tu vas avoir la musique. Tu vas avoir les paroles. Tu vas avoir le rythme. Et nous, on va voir tout le reste. Voilà. Allez, Ninoule. T'es prêt? On applaudit Ninoule. Allez, attention, c'est parti. Allez, go the bull case. Allez, Ninoule. Allez, là, c'est du silence. Donc là, on attend un peu la mélodie. Là, on crée le malaise un petit peu, faut le savoir. Do you misfit, everything inside you is dark and twisted. Oh, but it's can you hear the whispers all across the room? You feel you cheap, you beautiful. Elle a les poumons d'un bébé. So let me tell you about non, c'est pas mal. Quand on y est, on y est. I'm a little crazy underneath this. Elle s'applique. You ever feel like Everything inside you is dark and twisted. Oh, but it's okay. Regarde, quand c'est net, hein. Ça va dans le truc bleu. Ouais, ouais, ouais. C'est pas grave, allez, Ninoule. Everything inside you is dark and twisted. Oh, but it's okay to be different. Cause baby, so c'est les Avengers, c'est le Endgame, c'est un film. Ah oui. Allez, Ninoule. 234 000 points, c'est très très bien. C'était pas mal, on a eu beaucoup peur sur la respiration. Attention, on va avoir ta note. C'est combien de pourcentage? Note juste, tu vois combien? 75%? Ouais, 75. Très costaud, 75%. 75%, t'es bien. Le piège, c'est les rires, t'as eu des rires qui t'ont un petit peu coupé. Ouais, les rires de gêne. Tu cherchais ton octave un peu. On va te demander d'appeler le ou la suivante, attention. Alors, un petit bijou là. Donc ce sera Morgane. Ah, qui remplace Camille. Attend. On en attend. On en attend beaucoup d'elle. Ça veut dire de rigoler là. Déjà parce que tout simplement, il n'y aura pas à rire, elle sera très très forte. Ah, Fred, wesh, il y a 2000 personnes, je suis tétanisé. Il y a 2000 personnes là? Bonjour, bonjour! Bonjour!
Oh, elle nous a déjà fait un bonjour très aigu, très bien placé, très juste. Très Whitney Houston. Morgan, tu n'étais pas au début des Olympiades. On t'a gardé en joker spécial, au cas où il y avait des remplacements, au cas où il y avait un peu de technique. Tout à fait. T'as de la chance, t'arrives en deuxième. Qu'est-ce que t'as choisi? J'en connais pas beaucoup, mais je vais prendre le Roi Lion, parce que je la trouve drôle. Ouais, et je sais que ça te plaît, Ben. Oh là là. Et laquelle du Roi Lion, donc? Je voudrais déjà être roi. Je voudrais déjà être roi. Est-ce que, vocalement, il y a des risques, ou ça va? Ah, quand même, elle envoie, hein. Les trucs un peu comédie musicale à la fin. Je voudrais déjà... Ah bah justement pas ça. Être pour une fois, c'est pas moi qui remplace la personne absente. Heureusement pour Camille. Tant mieux. Allez, c'est parti. Allez Morgane. Le Roi Lion. J'adore le Roi Lion, je sais pas si je l'avais dit une fois. Je crois que tu l'avais dit mille fois en fait. Ah pardon. C'est moi Simba, c'est le roi du royaume animal. C'est la première fois qu'on voit un roi avec si peu de poils. Je vais faire dans la cour des grands une entrée triomphale. C'est parfait. En poussant très royalement un rugissement bestial. C'est incroyable. Majesté, tu ne te mouches pas du coude. Je voudrais déjà être roi. Elle joue mieux dans ses chansons que moi la comédie. Au roi des divins, tire la langue et tais-toi. Parfait. Surtout ne fais pas ça. Reste ici, assieds-toi. Prends garde, lion, ne te trompe pas de voix. Je voudrais déjà être roi. Regardez bien à l'ouest. Regardez bien à l'est. Du coffre. Simba sera le nouveau roi soleil. Je voudrais déjà être roi. Elle va au bout. Oui. Incroyable, Morgane, incroyable. C'est d'un stress monumental. Attends, c'est tout petit, c'est écrit combien? 78% de notes juste? Ouais. 347 000 points. Tu t'étais en forme avec tes 118 000 là. Alors, Morgane. Pour Camille, du coup. Elle est forcément qualifiée. Voilà, je suis très contente pour elle. Ah là, c'est parfait, Morgane. Eh ben, super. Attends, on va tirer le prochain, vas-y. Tu veux qui? Les claquements de doigts, c'est insupportable. C'est le seul truc qu'on a fait. C'était le truc le plus faux du morceau. Ça se trouve, les 22% qui nous manquent, c'est à cause de nous. Hein. C'est qui? Non. Alors, non. Ça va sûrement être magnifique. Mais peut-être une petite baisse de régime. On a notre Alex. Merci beaucoup. Et puis bravo, à bientôt, bon courage. Monsieur Alexandre Souverain. Oh là là, oui. Oh oui, je sais qu'il est dégoûté dans sa tête. Ah, je suis désolé Alex, je suis désolé. Je passe après Ninou et Morgane. Vraiment le pire move de l'histoire. Ah oui, mais bon, tu vas peut-être dans un autre style. Tu sais, c'est comme si Orelsan y passait après Beyoncé. Ouais, mais j'ai pas de style moi. Tu nous as choisi quoi de beau Alex? Bah Orelsan du coup. Évidemment. On a dit que t'allais prendre Orelsan. On le savait. Très compliqué Orelsan ceci dit. Hein. Ouais. Parce que ça kick. C'est Tout va bien qui est très chanté. D'accord, c'est plutôt mélodieux. Ce qui est pas mieux pour moi. Ce qui est pas mieux pour toi. Et Orelsan, des fois, il laisse des petites faussetés dans ses chansons. T'en laisseras quelques-unes. Ouais. Déjà, la première note, je sais que c'est fini. C'est le. C'est celle-là. Non, allez, Alex, moi je crois en toi. Tu dois faire mieux que 75% de notes juste. Bah non, du coup. C'est pour ton idole. Respecte-le. Allez, Alex. D'or. On dirait qu'il prépare vraiment un complot. Monsieur dort dehors, c'est qui aime le bruit des voitures. Il est dingue. S'il s'amuse à faire le mort, c'est qui joue avec les statues. Et si un jour il a disparu, c'est qu'il est devenu millionnaire. C'est qu'il est sûrement sur une île avec un palmier dans sa bière. C'est pas mal. Tout va bien. C'est propre. Oh merde. Ouais. Petit, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien, Alex. Tout va bien. C'était ça qu'une musique, c'était plutôt mélodieux normalement. Ouais. D'accord. Tout va bien. Vous voyez qu'il s'auto-rassure. Oui. On dirait qu'Orelsan fait la gueule dans le clip à cause d'Alex. Si les hommes se tirent dessus. Ah non, c'est pas maintenant. Allez. C'est bien. Bravo Alex, franchement il a maintenu Alex. Oh, on sait que c'est pas facile. Merci à tous. Bien joué, je pense que t'as une bonne note. 311 000, t'as une bonne note. Non, c'est pas mal 311. Combien? Attends, tu bats Morgane là. Non. Tu bats Morgane. 82% de notre vie. 82%. Mais n'importe quoi. Tu bats. Bah Morgane. Attends, il y a un bug, c'est pas possible. Bah non, mais en fait, t'as pris un morceau qui est plus facile. Très stratégique. Très stratégique, voilà. Non, je suis content d'être passé maintenant. Ouais, mais si après le live, on en ressort que c'est Alex et Lucas les meilleurs chanteurs, là je peux plus. Quelle arnaque.
Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Trop sous-côté, Alex, bien sûr. Pas en chant. Tu peux appeler le prochain Alex, est-ce que t'es prêt? Vas-y, dis-moi. Un petit Guillaume. Ah, ok. Merci Alex, bravo. Merci encore. Merci à tous et désolé pour ce moment. T'inquiète, non, c'était bien. Attendez, il y a un problème dans le jeu là. Ce que j'ai écouté. T'as écouté là Bah, c'était pas mal non? Mais non, mais j'ai cru que la chaudière était en train de fuir. Je fais le malin, attention. C'est peut-être pas très bien joué de faire le malin maintenant. Vas-y, dis-nous ce que t'as envie là parce que. Moi j'ai envie de mourir déjà. Il y avait M. Bah, on va voir si. Moi c'est mon score. 260 000 c'était quand je l'ai testé. Le pire c'est vous avoir juste à côté en fait. Pierre le plus beau. Non, il y a vraiment un problème. Alors bah, attends, il y a un problème de jeu. Allez Guillaume. Allez. J'attends encore l'onde sensuelle. Oh, il prend la bonne octave. De ta bouche sur la mienne. Mais depuis quand il se débrouille bien comme ça Guillaume? C'était si fort, c'était énorme. Si beau. Ouais. La philosophie de ton souffle. Mais entre mes mots. Mais dis donc. Les plumes volent encerclées par tes ondes. Ça commence à grouiller. Mes habits comme Fougon Mimonde. Mais de vibrato et tout. Mais je ne sais plus donner du crâne. Mais comment t'attendre, onde sensuelle, toi qui me donnes des ailes pour nous lier. Mais je suis en vidéo, hein. Jusqu'au j'ai ciel. J'ai su pourquoi on me fout de sa gueule. Allez, Guillaume, le coffre. Allez, le coffre. Allez, on ouvre le coffre, là. Tors plus grave. Oh non, attends, mince, Guillaume, allez, on prend l'air. Allez, grattez les derniers points. Je sais pas ce que c'est. Très belle perf. Ah ouais, non mais attends, le monde sensuel était magnifique. Combien de pourcentage? Bon, mieux que moi déjà. Combien, 78? Il arrive comme Morgane en fait. C'est un scandale. Ouais. Donc, en dessous de Alex, qui est toujours meilleur que toi. Tu sais déjà que t'es qualifié. Ah mais putain, avec ça, avec cette performance. Oh, intéressant. Un Quentin qu'on va recevoir, intéressant. Est-ce qu'il va aller dans l'urbain? Bonjour à tous. Oh ouais. Salut Quentin. Comment ça va? Il nous a choisi quoi en musique en toche? Alors, vu que Guillaume ne l'a pas prise, je vais choisir Billie Eilish, Bad Guy. Oh, toi qui es un rappeur, parce qu'on peut le dire, BAG. Ça kick. Comment tu te sens en chant? Je chante pas bien, mais je peux ne pas faire trop de merde, quoi. Sache que pour l'instant, le premier est Alex. Volume 3 du cambriolage, en fait. C'est ma préférée de Billie Eilish. Elle est très très bien. C'est une très belle chanson. J'ai 118 000 sur ce morceau. Ah ouais? J'ai testé aussi. Ce qui est pas ouf, hein, maintenant on le sait. Ouais. Volume 4 du cambriolage, j'en ai déjà fait 3. Ah oui, c'est vrai. La banne tombe à l'eau. Je connais ni la chanson, ni ma chaîne. Par contre, je parle très très mal anglais. Hein. Allez, mon Quentin. No red, my bloody, no sleeping. You're on your steep. It's all creeping. Pas mal ça mon cantoche. Like no one knows think you're so criminal. Elle était dans les trucs. Like you're tough guy, like you're really rough guy, just can't get enough guy. Il loupe les étoiles. I'm the bad. Ah, putain non, je tombe pas. Il esquive tous les points. On regarde. On dirait Pac-Man. I'm a bad guy. Da. Ah, j'entendais pas le début. Allez mon Quentin. Ça commence à inquiéter, il est pas loin de mon score. J'espère pour lui normal. Bad guy. Ah, je l'ai chié celle-là. C'est vrai qu'elle fasse pareil dans un concert. Ah, je l'ai chié celle-là. Oh là là, c'était dur. Tu m'as quand même battu. Attends, qu'est-ce qu'il a Quentin? Aïe. Ah, Quentoche. Combien? 63%. Qui prend un très mauvais tournant qui devient dernier de la compétition. J'aurais dû prendre Bim Bam Boom, c'était mon second choix. Ah, Quentin. Il est menacé. Il y a marqué que j'ai une voix séduisante quand même, excusez-moi. Ninoul devient qualifié effectivement. Coup dur pour Quentin. Alors attention. Lucas et Fred sont toujours en compétition. J'ai un peu moins peur maintenant, tu vois. On a qui là? Frédéric, s'il vous plaît. On appelle Frédéric à la barre. Bonjour Frédéric. Autant il y a des vidéos, j'arrive, je suis à l'aise. Je fais le malin. Bien sûr. Là j'arrive. T'es stressé en vrai ou pas? Mais là en fait, j'ai l'impression, on m'a annoncé un oral de français sur un truc que j'ai pas révisé. Mais dis-toi que. Non, je me dis qu'en fait, l'oral de français c'est dans un Olympia devant 2300 personnes. Là il y a 2300 là? Dis-toi pour te rassurer que Alex, tu sais, le gars qui est toujours nul en français, a eu 18 sur 20. Il est tombé sur le seul truc qu'il a révisé. Le chant, c'est une matière sur laquelle je suis pas le plus à l'aise. On va prendre une base simple. Elle est déjà sélectionnée. C'est une chanson de développement personnel. Tu donnes tout? Pour l'instant, on a pas beaucoup de gens qui ont tout donné leur coffre. Allez, vas-y, c'est parti. Allez, c'est parti. Ah, je sens qu'il a tout donné. Et même si le temps presse. Il y a combien de notes sur le même mot? Même s'il est un peu court. Allez, Fred. Les années qu'on me laisse. Et il envoie. Ne sont que minutes et jours. Il va bien avec Jean-Jacques Goldman. Et même si l'on m'arrête. Tu la vois l'aiguë arriver? Soufflant dans les trompettes. Hey. Ou à force de murmures. Hey. J'irai au bout de mes rêves.
Oh, il les prend toutes. Ah, il fait la mise en scène en plus. Tout au bout de mes rêves, où la raison s'achève. Le jeu détecte tout des bonnes notes là. Tout au bout de mes rêves, et même s'il faut partir. Il a du coffre. Les jeux mauvais, les courants. Oui. Plier genoux sous le vent. Il y a pas une note de juste. Tout au bout de mes rêves. Oh, il a fait le. Mes rêves. Oh, il fait le saxo. Il fait le saxo. Bon, les balances, vous êtes là. Je garderai la blessure au fond de moi, tout au fond. Il y a un ton, Jean-Jacques Goldman, un peu. Ouais, en voix cassée. J'irai au bout de mes rêves. Oh là là, il a été au bout de ses rêves. Combien il a? 194 000. J'ai pas fait un bon score, je crois. 64. Je qualifie. Mais ça passe largement. Je qualifie, Fredo. Tu sais ce que j'ai aimé chez toi, Fred? Je peux pas faire plus. T'as donné ton cœur sur la table, t'as donné tes tripes. Bon, bah merci à tous, à la prochaine. Oh, attends, je vais te demander d'appeler le prochain ou la prochaine qui sera. Ok, très bien, j'ai. Oh. Un gâteau. Lucas, attends, je le connais. Bonsoir, Agathe. Coucou. Alors, Agathe, un peu de pression, comment tu te sens? Un petit peu de pression quand même. Hein. Donc, tu le sais, c'est Quentin l'homme à battre, 63%. C'est raisonnablement tout faisable. Tout est faisable, faut pas se rater. Moi, j'ai parti sur une Angèle. Oui ou non? Ah bah si, c'est comme tu veux. Hein. Oui ou non? C'est vraiment comme tu veux. Hein. Il suffit de nous dire. Angèle, oui ou non? Oui, mais c'est toi qui décide. Hein. On va pas perdre de temps, on est en live, on va pas perdre de temps. Oui. Hein. Angèle, oui. Oui, Angèle, d'accord. Ou non? On est pour des cons. Bah donne-lui celle-là et puis c'est tout. On vous a interprété un sketch de Raymond Devos. Tout à fait. Alors avant qu'il soit connu. Hein. Oh, c'est à Paris sur un 82% de ta part. Ah oh, ouais, pas de cœur. Allez, va sans la musique tellement on le connaît par cœur. Allez, à gâteau. Ma journée est passée à une de ces vitesses. Dormez pas lavé. Bah elle échappe toutes, hein. Ah ça je déteste. Batterie faible, j'ai pas de quoi recharger. Et ça n'arrive pas. Oh, c'est un petit brin, mais efficace. De pas avoir m'aimer. C'est dépassé, c'est Quentin. C'est oui ou bien c'est non. Hier tu me voulais. C'est oui ou bien c'est non. C'est oui ou bien c'est non. Ah ouais. 354 000. On attend le pourcentage, Agathe. Combien? 89. 4. Elle prend la première place. Elle prend la première place avec c'est oui ou bien c'est non. Merci beaucoup, j'adore Angèle. Donc t'es qualifiée, Agathe. On est à, tu te rappelles à l'époque où il y avait ce genre de truc là. On était genre dans une salle, on était plein et on écoutait une seule personne. Tu sais que c'est le dernier concert. Ah bon, c'était le dernier concert, c'était Angèle. Bah moi peut-être, hein. Moi je me rappelle Balavoine. Je ne suis pas un héros. Bah merci beaucoup, je vais appliquer. Bravo Agathe. La star se fait attendre, j'imagine. Oui, je fais attendre encore. Oh, il veut pas venir. T'es Geoffrey là. Mr. Joe. Ils sont mignons, t'as vu comment ils s'ambiancent? Yast maudit Geoffrey. That's my boy. That's my boy. Tu prends Danny Briand? Non, non, non. D'accord, tu prends quoi? Stromae, tous les mêmes. Alors Geoffrey, t'es en musique, tu te situes? Pas. On va demander de l'interprétation. On va demander de l'interprétation un petit peu. Fred a tout donné. Agathe est un peu plus calme. C'est là-dessus qu'il a marqué des points. C'est vrai que par contre, c'est les gens les plus calmes qui mettent les meilleures notes. Alex et Agathe, c'était très. C'est vrai. Quoique, Quentin aussi. Ouais, non, c'est pas dû au calme, c'est dû qu'ils chantaient mal en fait. Vas-y, je t'en prie. Prends le casque. Tous les mêmes de Stromae, interprété par Mr. Joe. Oh, il nous fait la position We Are the World. Villa cette chanson. Vous les hommes êtes tous les mêmes. Macho Mechi, bande de mauviettes infidèles. Si prévisible. Non, je ne suis pas certain. En fait, tu sais pas si c'est moche ou bien. En tout cas, il met les points. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement aux prochaines règles. Aux prochaines règles. Tous les mêmes et y en a marre. Bah, c'est la fin là. C'est fini là. 328 000. Ça va le faire, ça va passer, ben ça oui, va passer. Oui, oui. Il va choper un 78% facile. 79%? 79. Tu prends la troisième place de ce classement. Voilà. Tu passes devant Morgane, comme quoi il n'y a pas de justice hein, dans ce. Non, c'est dur. Je l'ai toujours dit de toute façon, donc... Il reste Fanny? Il reste Fanny et Lucas. Fanny et Lucas. Oh oui, Lucas en dernier! C'est Fanny! Bonsoir à tous! Bonsoir Fanny! Ça va? Ça va et vous? Stressé? Un petit peu, quand je vois les scores, j'ai peur de pas être à la hauteur. C'est de l'anglais, c'est du français, c'est quoi Fanny? Alors, je sais pas s'il y a une team Disney Channel dans le chat, mais moi c'est les Jonas Brothers pour la vie. Évidemment qu'il doit y avoir une team Disney Channel DC. Je suis sûr qu'elle la connaît tellement par cœur. Fanny, tu serais pas du genre à... C'est ça le 4? Merci! Peut-être! D'accord. I'm suck, c'est ça? I'm suck for you. Ah ouais, elle est dure, tu donnes tout. Better than birds of a feather, you and me. B. We change the weather. B. Yeah. I'm feeling heat in December when you're around me. Hein.
I've been dancing on top of cars and followed in the bars. I follow you through the dark and get enough. You're the medicine in the pain, the tattoo inside my brain. And baby, you know it's obvious. I'm a sucker for you. I'm a sucker for all the subliminal things no one knows about you. Elle a peut-être cherché la mienne, attention. I'm a sucker for all the subliminal things no one knows about you. It's true, I'm a sucker for you. J'oublie les yeux à chaque fois, mais oui, oui. Tu la travailles chez toi? Peut-être, peut-être. For all the subliminal things no one knows about you. It's true, I'm a sucker for you. Oh là! Oh, attends, il reste un truc. 449 000! Non mais là, elle est en train de détruire un record là. T'as fini le jeu. Fanny là, tu m'avais caché ces petits skills là. Ah ouais! 454 000 points. C'est propre. 92%. Elle est la meilleure chanteuse ce soir. Oh là là. Je vais appeler le meilleur joueur. Lucas. Moi je me rappelle du jeu. Oh il est là. Il est là. Messieurs. Ça fait rire. On a Quentin Dernier à 63. Donc si tu fais mieux que 63, tu passes. Seulement, t'as des capacités vocales. Non. Qui sont plus ou moins... Je cherche le mot. J'ai plus ou moins. Je cherche le mot. Thank you, next. Ah merde, bon. Quentin, t'as des chances. Moi, j'ai envie que tu balances du coffre un peu. Tout le monde prend toi. Il faut vraiment que tu fasses plus de 2/3 de notre juste. Oula. 2/3 de notre juste. De notre juste. Je veux absolument 5 next d'Ariana Grande. Tu l'auras. 63% à battre. Elle est pour Ariana Grande, celle-là. Il y a 2400 personnes qui te regardent en direct. Voilà, le GOAT, le GOAT. Dont Ariana Grande qui doit être là. Ouf, Ariana, il sera pour toi, celle-là. On va vivre quelque chose, Pierre. Je te souhaite un agréable moment. Je te souhaite un excellent moment, Pierre. Mais vraiment. La la li la la. Allez. Attends, attends, attends. Comment ça part, ça part, comment ça part? Il rentre sur scène. Chut. C'est lui. Comment on dit ça? Sorry, Sasha, but it wasn't a match. Wrote some song about Ricky. No, I listen and lost. On dirait qu'il découvre sa voix. Won't talk me love. Won't talk me patience. Won't talk me pain. Look what you talk me. And for that I say thank you, next. Thank you, next, next. Thank you, next. Il en a pas une, hein. Il a 6000 points. J'avais jamais vu ça, 6000 points. C'est rouge, c'est que du rouge. Même l'ordi, elle s'est vu quoi dire. Accroche-toi, Lucas, parce que Quentin, c'est ça. Il a décroché un moment, il a perdu. En vrai, là, je suis un incroyable talent. Thank you, next. Plus grand cabaret du monde. Pas une étoile, oups. I'm so fucking grateful for my ex. Il y a pas un point. Nessa Valda. Nessa Valda. Cause she grew from the drama. Il la connaît pas. Il la découvre en même temps. Là. Yes. Wow. Prends ça, pourquoi la chanson française. Attends, c'est bien entre 4000 points ou pas? J'ai un blackout sur toute la première partie du morceau. J'étais en fou. Ça tombe bien. Parce que c'est quelque chose. Le pourcentage. C'est combien qu'il faut battre? Juste pour rigoler. 31, c'est ça? Non. J'ai jamais vu. 31%. Ça fait à moitié du moins bon. Attends, il dit quoi? Un peu trop aigu? Si bien les notes, peut t'améliorer. Ouais, bon. Ils disent qu'il faut chanter. Allez, c'est à vous de chanter maintenant. Oui, allez. Non, non, on peut pas. Lucas éliminé. Est-ce qu'on en fait une à deux? Bah oui. Bah, si tu... Allez, si tu veux. Moi, Dua Lipa. Au revoir à tous. Salut à tous. On vous laisse avec... Ouais, ouais, peut-être tu vas chanter un petit extrait à un moment. On verra. If you don't wanna see me thinking about the way I was, did the heart break? Je vais vous laisser parce que là, je suis un peu gêné. If you don't wanna see me. Salut à tous, hein, je vous laisse avec ça, mais je veux pas participer à ce moment de vie. Si vous avez été live? Non, non, t'inquiète, continue. Ah! Cherche mon chargeur. Some of me. Ok. Mm. Don't show up. Don't come out, don't come out. Don't stop caring about me now. Et ben voilà, fin de live. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Salut à tous.